nécessité d'une nouvelle constitution, à qui appartient cette initiative? Ariette Jean-Louis et Kitli Charles, son plaisir pour nous gagner nos matins, pour nous garder un autre élément qui est fondamental dans le développement de tout pays, c'est le septième art là, le cinéma. Bien sûr. Et pas gagner trop sale ici, triomphe de temps en temps, mon yopkaze vidéo. C'est un coup, c'est triomphe qui fait payer avec un marché. Bah, ça a librement pile problème, mais quand même, de jeunes d'un coup, non, de mon responsable, décider quand même continuer à évoluer, produit dans le monde de la cinématographie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci encore une fois. Et c'est pour nous également un plaisir d'être là ce matin. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et auditeurs de cette émission, voilà, de la Télé Pacifique. Moi-même, je suis Ariette Jean-Louis, et je suis accompagnée de ma maman, Madame Charles Kitli, et de ma petite sœur, Jemima Kitli Jean-Louis. Donc c'est la famille. Famille Jean-Louis. Une famille artiste. Bonjour voilà. À toute la famille Jean-Louis. Alors, Madame Charles, son plaisir pour n'accueillir. Oui, le plaisir est pour moi également. Comme vient de dire ma fille Ariette, je suis Madame Jean-Louis Charles Kitli. Est-ce que je peux dire que je suis une actrice? Oui, en fait. C'est toujours pour nous un plaisir accompagné de ma fille, Jemima, également qui est une artiste chanteuse. Jemima Jean-Louis, c'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'est un plaisir. Je suis Jean-Louis Jemima Kissia, actrice, non-actrice chez Icarcendez. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi. Ma première question, comment voyez-vous le cinéma actuellement en Haïti? Quelle est votre lecture? Ok, moi-même ma lecture là-dessus. Mon cher, sincèrement, je peux te dire que c'est une industrie qui ça s'est morte en Haïti. Parce que HMI là, t'as supposé englober de tout ça. Ah là, l'on a regardé Hollywood, ou est musique, ou est peinture, ou est cinéma, ou est mannequinat. Donc en Haïti, malheureusement, HMI nous en faible parce que c'est seulement, mais dit aux questions de la musique, seulement ils ont penché sur lui, c'est ça seulement. Par contre, et on artiste, on actrice, on acteur, on danseur, tout net rempli paquet de chemin là. Donc pour moi, répondre à la question là, il est faible, il est vraiment faible en Haïti et pas vraiment une structure comme si m'était qu'a dit l'on projet et oui, justement pour dire mais qui côté justement mais qui côté pour m'aller pour me dire voilà ce que j'ai comme projet, comment est-ce que vous allez m'aider, etc., quel processus à entamer, quelle route à prendre. Donc pas vraiment gain. Donc le cinéma d'après Sodien, il n'est pas institutionnalisé. Justement, en effet, c'est un choix de carrière, le cinéma. Justement. Donc là, nous allons parler de grande première ça, de Kokenshin film ça qui gagne pour sortir. Oui, face à la réalité. Justement, face à la réalité. De quelle réalité parlez-vous? Donc, je réponds, c'est ça? Ok. C'est un film qui parle de la vie après le coronavirus. Ok. Mode de vie nous qui changeait pendant le coronavirus, exigence li fait nous. Peur que les suites la canon et négligence malgré tout ça me dit là nous toujours gagner par rapport avec surtout en deux sociétés haïtiennes. Donc pendant la période de confinement qu'on a, pendant on certains jeunes qui étaient la caillou à grossi à manger à dormir, gagnent l'autre quantité même qui était dans la rue à matin midi soir qui a réalisé film ça que moi invité tout le monde venir regarder. J'aime dire ce sont des jeunes comme Mima en philo à peine à l'université qui choisit météo ensemble avec moi parce que le film, je dois vous dire que c'est Pierre-Éric Siméus et moi-même qui sommes les réalisateurs. Voilà, nous sommes les réalisateurs de Face à la réalité. Donc dans le film ça, il y a un aspect côté que nous montrer en de société haïtienne injustice que tu es paré pour aller faire nous subir pendant la période qu'on a. Bah, on est nous tous là au courant que tout est en frais. Tout est en frais pour un paiement. Et il y a même, je suis certain que tu as dit, monsieur, pendant qu'on a ça, il faut mon caille, il faut mon machine, il faut mon dis, il faut mon date, parce que malheureusement pour nous, le peuple haïtien, il y a une catégorie de monde qui est à capitaine des catastrophes au pays arrivé, parce que c'est là où on fait fortune. Donc, nous ne pas montrer
littéralement aussi clair que ça, mais nous gagnons des aspects que nous faisons ressortir dans le film là, sous comprendre, nous avons comprendre que voilà, justice ça on a subi en de société. Dans le film, je suis la doyenne de l'université. Comment nous allons comprendre, m'exiger étudiant puis mettre cache-nez, puis gagner accès à quoi? Et si par hasard, you know, soit pas mettre cache-nez ou bien blier, puis gagner accès avec cours suivant, vous supposez porter bon moins un sac de riz, un gallon d'huile, un sac de charbon. Donc nous faisons ça comme ça, c'est pour nous faire de cet enrichissement. Justement. Sous Dorona. Alors, je parce que nous n'avons pas le temps. Moi, je m'ai posé deux questions que je venais de poser. Alors, et pour nous réaliser le film, ça, qui production qui aide nous réaliser li, et qui leur projection a fait et qui j'aime mieux t'as capable bien accès avec un film. Alors, juste avant, Ariette, by quelques touches, non, quelques paroles, moi, qu'a dit. Pierre-Éric Siméus et Ariette Jean-Louis, pas de gens me rendre compte si yo te gen kalte ba sa wanda. C'est tout bonnement notre travail moi un jour soir, me chita m'a réfléchi avec coronavirus, m'a réfléchi avec méchanceté en pile monde te profiter à faire. Parce que imaginez-vous ou dit mettez cachené pendant ce temps ou même sous poste travail là ou pas mettel, ou pas dans visage moi parler sans cachené. Et puis me dit waouh, m'ta écrit un bagaille, m'ta fait un film. Nous gagne un film déjà sur YouTube qui c'est un essai nous t'a fait qui c'est papa m'te parler. C'est n'aller ici en pile mon aller sur YouTube, il y a joini numéro 2. Il y a un, deux. Et puis Ariette Jean-Louis, il y a pile vidéo d'Ilagé déjà sur YouTube. C'est un artiste qui sortit à Carrefour, qui a grandi dans le monde évangélique, là, mais qui chante à caractère social. Tout. Ouais. Et sentimental. Tout ça, quand même. Et m'a profité de dire, Ariette, depuis à 5 ans d'âge, Ariette écrit. Je ne peux pas comprendre. Le Ariette gen 5 ans, découvre un cahier, Ariette a écrit, Ariette fait maman, papa, et puis il écrit, pas même qu'on écrit bien, il fait photo, image, bébé qui saute l'hôpital, tout ça, me dit, ah, les gon bagay en dan. Puis il prend feuille, il dit, ma bi kon bagay sou corona. Et puis m'écrit, n'importe 10. Même quand il a mrelé dans le téléphone, dit, mon film, yo rim. Je dis, l'autre dit, maman, sortez-vous à l'hôpital là. Ariette dit, maman, pas occupé, vous venez avec lui. Et puis, Mvin Avel, il débouché sur un long métrage, qui c'est face à la réalité. Face à la réalité. Par rapport à la question pour production, moi-même, je suis coordonnatrice de l'AJL Musique. AJL Musique, c'est ensuite ce que moi, m'étais campé autour de moi, même par rapport au fait que moi, j'aime quand je suis manager. Depuis que j'ai lancé ma carrière artistique, moi, depuis avril 2018, je suis manager. C'est une propre initiative. Justement, m'étais soutenu. Pour supporter propre projet. Propre projet, justement. Et puis, je viens jouer ensemble avec Siméus TV, qui c'est production Pierre-Éric Siméus. Okay? Donc, nous deux, nous mettons ensemble pour nous capables de produire film. Ça, deux structures, ça, AJL Musique et Siméus TV. Mais en termes de pour moyens financiers, je dois vous dire sincèrement, j'ai écrit beaucoup d'institutions. Institutions, nous connaissons, nous supposons écrire pour ben mon support. Et jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse. Et la grande première, c'est pour bientôt. Non, justement. Monsieur Damien, je leur ai écrit. Moi, écrit, je m'adresse les lettres. Bon, il y a institution qui subissent le jeu de la primature qui était commencé en communication ensemble avec moi. Coup dossier arrivé dans le ministère de la culture, pas dans rien encore. Nous recevons une lettre qui dit ok, le dossier maintenant est en cours au ministère de la culture et puis ça campé là, toute communication campé. Donc moi, je me demande ce qui se passe. Justement, ok, mais par rapport à ça, Dieu a mis sur notre chemin certains individus. OK, qui sentit que si vous avez fait plus, je parle là de M. Fabien, le responsable de l'INUREP, je parle de l'hôpital Raoul Pierre-Louis, je parle de magistrat Jules Edouard, comme si qui met ton timé, comme dans la commune, qui met ton timé, pasteur Réginal qui facilite le light auditorium. Oui, il faut, justement, des amis qui prêtent des machines, parce que dans le film, j'ai la machine, moi, on va montrer que l'agent est en gros, j'ai le passé. Donc, moi qui prête des machines, moi qui prête des carrières, ce sont des particuliers, mais pas vraiment des institutions qui sont là pour avancer avec des jeunes. Justement. La grande première. Oui, la grande première, c'est pour. Oui, il n'y a pas à pas construction, justement. C'est pour le 10 octobre. Le 10 octobre à 4 p.m. au Light Auditorium. Il est situé à Carrefour en face de GI Carrefour. Son monde connaît Carrefour après la province Market et puis Light Auditorium. C'est à 4 h. Il est facile, vous venez. C'est seulement 500 gouttes pour compte. 800 gouttes sont accompagnées. Logiquement, tu as supposé payer 2 gouttes pour 1000 gouttes, mais nous faisons un rabais de 200 gouttes une fois qu'on est accompagné ou qu'on privilège. Okay, pour le monde qui est venu, justement, tu allais continuer. Oui, c'est pas seulement projection film, mais une partie culturelle. Juste avant, côté nous avons 3 artistes invités, qui c'est Joseph Philippe.
François Jean-Aubert Lano Ivy de Singer. OK? Cap gen pou banon bon ti amusement et puis après c'est un long métrage. Moun yo achita, yo enjoy film nan et me garantis que y a satisfait. Et y a satisfait surtout le fait que pral konn a avec des faibles moyens mais ça nous rive réaliser. Justement qui côté mon y a un ticket yo. OK, ticket yo disponible dans Light Auditorium là. OK, une fois qu'on va aller dans Light là, d'ailleurs pour il faut que tu joindre le jour tableau. Même du 10 octobre là même le cas jeune ticket. Il y a joindre tout 10 octobre, toute semaine là gagner tout jusqu'à 10 octobre. Et puis ils sont disponibles également à l'INUREP. L'INUREP pour année 93. OK. OK, de voir dans l'université à au moins de vous venir acheter ticket pour grande première ou à joindre. Et puis me capter numéro de contact, d'accord? Justement. Ouais, justement. Vous capter de là, yo ca si vous voulez rentrer en contact avec moi. Même si tu as entré en contact avec nous pour support, parce que nous besoin de support toujours. Ces jeunes, ils espèrent quelque chose en retour, parce que mettez sacrifice de moi, me font des bagages tout court pour nous. M'gai des jeunes, pendant y a tourné film là avec moi, par un relais de téléphone, vous dites, mais tout était avec Madame Marie, tout était. Parce que pas vous faire porter moi à l'heure ça. Ouais, justement. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ces jeunes ont été face à la réalité. Face à la réalité. Justement, mademoiselle Jemima, Jean-Louis, dis-nous non. Il y a des gens qui peuvent venir regarder des films pour personnellement. Parce que justement, c'est des gens qui peuvent regarder sur la télévision pour venir regarder des films parce qu'on joue là. Belle actrice. À qui ça que vous êtes supposé attendre? Wow. Merci déjà. Merci déjà. Ok, donc, pour une barre là, moi, je suis en tête de tout. Moi, comme son meilleure actrice. Que ça là? Oui, oui. Donc, ouais, moi, je joue à son rôle qui vraiment, vraiment. Triste dans le film, non? Parce que c'est côté qui a maltraité ménage, c'est ma tante qui a maltraité ménage. Il n'est pas aimé parce que et niveau, pas niveau, pire au passé. Donc, tout ça, c'est face à la réalité. C'est une réalité dans la société haïtienne. Justement, nous montrer à ce fait ça. Ok, donc c'est dans le film, non, que n'a pas réaction. Chérie Cassandus, imaginez maintenant Chérie Cassandus. Donc, on t'a mis tout le monde dans le film, non, pour une carré. Réaction en l'autre face qui n'a pas les numéros de pour alors, que les gens puissent avant, nous, on va vraiment terminer oui rapide rapide je dois si baba numéro nous ca pas gagne baio oui même tout baio konya c'est 38 84 0149 38 84 0149 je suis joignable sur WhatsApp que pour des appels. Alors je dois justement saluer mon mari également et de remercier parce que il est acteur dans film là, acteur c'est Ari Jean-Louis. C'est toute la famille. C'est acteur dans film tout. Ya. Dans mais nous venir pour nous comment papi pas un problème pour le petit. Il est meilleur acteur que ma maman. Si vous le dites. Ouais. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir, vraiment un immense plaisir de vous merci avoir beaucoup. Eu avec nous ce vendredi à l'émission Viva Haïti. On est vraiment très ravis, très contents et on espère que nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices vont justement assister à cette grande première de Face à la réalité. Encore merci beaucoup ce 10 octobre à 4 heures. Donc on espère qu'ils y seront vraiment. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi, à nous de vous remercier. C'est une tournée. Bientôt on sera à Delma. Justement. Messieurs, nous connaissons, mesdames, nous toujours un privilège. On n'a pas eu le choix. C'était un plaisir, M. Joël Bigot. Bon, Jeff, c'est plus qu'un plaisir. Et moi, je pense que nous avons d'autres privilèges, en privé ou en public, dans tout espace que nous fréquenté, pour nous parler de causer nouvelle constitution. Et c'est une nécessité. Pour au moins nous garder qui bon nous praler avec projet nouveau projet de société que nous envisager parce que Jean Bagay c'est là. Notre projet de société il pas qu'à arrêter comme ça mais il pas qu'à faire de manière vague et de manière délaissée on est laisse ainsi que c'était un plaisir frère c'était un plaisir Jeff René et je pense que nous sommes allés à l'aller parler de tout développement de passé par la mise en place d'une politique culturelle et on a parlé de constitution qui c'est le projet social codifié. Eh bien, oui, réalité que nous sommes décrits là. Donc, faut-il bien qu'à un moment d'adjoint, nous avons l'État qui est responsable, qui est capable d'encadrement avec jeunes, avec tout le monde, toute catégorie sociale pour que le monde vive d'une autre façon dans la société. Hein. Et c'est dans la dynamique ça que nous inscrit à poche, nous, pour que nous construisions notre Haïti, côté que
Haïti capable vivre, tout le monde dans bien capable vivre. Vive Haïti. Vive Haïti. Justement, et nous baillons tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, émission Vive Haïti, garantir que le débat ça n'est pas fini. Donc, nous avons continué, j'aime toujours dire là, partager information avec formation que nous avons à disposition. Nous. Pour nous toujours échanger ensemble avec nous dans le cadre de l'émission Vive Haïti, parce que c'est ça, nous baillons tête nous comme devoir pour nous accompagner dans la route ça qui l'on qui sait bien-être chaque année. Chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était un plaisir d'être avec vous. Ce plaisir sera renouvelé lundi prochain, la semaine prochaine, pour une autre émission Vive Haïti. Plus belle, plus jolie, avec d'autres invités sur d'autres thématiques jugées utiles pour le développement durable d'Haïti. À lundi matin. Ah oui, c'est la paix des Antilles.